Attention, mesdames et messieurs, venez goûter ma toute dernière création. On commence par le sandwich, et puis on y ajoute un petit peu de ma sauce secrète. Ah, et voilà, caviar d'escargot flambé au jus de pomme, hein? Désolé, on est allergique à tous les ingrédients. Hot dog, nouvelle recette. Venez goûter ma toute nouvelle recette. Saoul, alors t'es prêt pour l'entraînement? Ça va débooster du fantôme. Liv est déjà sur place. J'attends Charlie. On a un rendez-vous. On va au musée voir l'expo sur les fossiles de coquillages. Je comprends pas, t'as l'intention de la séduire ou de la faire mourir d'ennui? Les musées, c'est peut-être pas ton truc, Andy. Mais Charlie et moi, on adore les expos. Mais pas pour un premier rendez-vous. Il faut que tu trouves autre chose. Le secret, c'est d'être romantique. Attends, tu veux dire que les coquillages, c'est pas romantique? Il faut que tu m'aides! Je sais absolument pas ce qui est romantique! Relax! Et j'accepte de zapper ma séance d'entraînement du jour pour devenir ton coach! Tu trouves pas que la cravate, c'est un peu trop? Mais non, tu déchires! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Charlie arrive! Respire! Et n'oublie pas, il faut que tu sois romantique! Salut Mike! Dis donc, tu... ça te va bien? Oh, ça, j'ai choisi vite fait. Toi aussi, ils te vont bien, tes vêtements? De tous les jours? Merci. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je croyais qu'on devait aller à une expo. Je me disais qu'un pique-nique dans Central Park, ça pouvait être aussi sympa. Assieds-toi. Merci. Aïe. Oh, désolé. Il faut absolument que tu goûtes ça. Un délicieux hot dog au caviar d'escargot. Non, merci, je viens de manger. T'aurais pas plutôt quelque chose de sucré? J'ai de succulents cookies de la pâtisserie Chocolove. Oh non, je suis vraiment désolé. Oh là là, oh c'est chaud, oh c'est chaud. Miss Jones, on a un fantôme dans Central Park. Oui, je viens juste de le voir. Cette petite teigne s'appelle... J'arrive tout de suite, Andy. Globou, avec moi. Oui, je disais donc, c'est un fantôme de niveau 6 qui s'appelle Flamagma. Et attention, je vous préviens tout de suite, c'est un fusionneur. On s'en occupe. Comme c'est un type magma, ne le laissez surtout pas s'approcher de quoi que ce soit d'inflammable ou New York pourrait bien se transformer en barbecue géant. Barbecue? Oh, il y en a un juste à côté. Vite, il faut qu'on aille se mettre à l'abri. Une seconde, il faut que je filme ça. Non. Ouais. C'est un truc de dingue. Ghost Force en action! Ghost Force passe à l'action! Ghost Force! Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Crush. Tu sembles être dans un état de détresse émotionnelle. Est-ce que tout va bien? Oui, sauf que j'ai complètement gâché mon rendez-vous avec Charlie. On verra ça plus tard, mon pote. Pour l'instant, on a un fantôme sur le feu. Et moi, je suis chaud comme la presse. On va pas fondre devant un gros cookie. Je vois, il est plus coriace que je pensais. Pépite de chocolat en approche. Suivons-le.
Comme c'est un fantôme thermique, on pourrait faire grimper sa température. Ou le refroidir en le recouvrant avec ton énergie fractale. Peut-être devrions-nous suivre l'instinct de Crush. Non, c'est bon. Mist a sûrement raison. Crush, j'ai l'impression que le fantôme est en train de monter chez toi. Hein? Mais qu'est-ce que... Oh! Je m'en charge. Joli coup, Crush. Merci, j'ai appris du meilleur. Vite, Globou, va mettre mon cet homme à l'abri. Je vous emmène en sécurité. Crush, envoie ta glace fractale. Je vais en faire qu'une bouchée de ce cookie, moi. Crush, fonce! Piège fractal! Bien joué! Plus qu'à le capturer dans une boucle! Monsieur Collins est désormais hors de danger. Le chocolat ne convient pas à mes circuits. Mon plan n'a pas fonctionné. Vous avez une autre solution? Et puis pourquoi il n'attaque plus? Eh, dis donc le biscuit! On dirait que t'as pris un gros coup de chaud! Mais oui! Il surchauffe! Je crois savoir comment... On se replie! C'est la cata! Globou est hors service et j'ai perdu beaucoup d'énergie boue! Crush, c'était quoi ton idée? Rien. Ça risque de pas marcher. Dis-nous, Crush, on a besoin de toi! Oh! On accélère! J'espère que le fantôme ne l'a pas attrapé. Un fantôme! Il faut mettre ces gens à l'abri. Bouclier flex! Merci. Venez par ici. Charlie! Il faut pas rester là! Viens! Non, attends! Je dois retrouver mon ami! Il est par là-bas! Oh! Pouvoir fractal! Waouh! Va te mettre à l'abri! Je m'occupe de retrouver... ton ami! D'accord! Il s'appelle Mike! Il fait environ... ta taille! Il a des lunettes! Oh, et il a aussi une cravate imprimée sur son t-shirt! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est pas bien, les cravates? Ah, si, mais... c'est pas son genre! Je préfère quand il est lui-même. Merci, Crush. T'es le meilleur. Tous les habitants sont en sécurité. Et on dirait que la pâte à gâteau se repose. Il peut pas attaquer quand il est en train de refroidir ses pépites. Oui, j'ai une idée. On doit le surchauffer pour l'empêcher d'attaquer. Autrement dit, il faut le provoquer. D'accord, mais c'est notre seule chance. J'ai presque plus d'énergie boue. Pareil pour moi. Ça va marcher, faites-moi confiance. Allons cuire ce cookie une bonne fois pour toutes. Alors, c'est déjà l'heure du goûter? Mange ça. Et prends ça. Il te reste encore un peu de place, non? Cette fois, ces pépites sont complètement brûlées. Ah, je crois que ce coup-ci, il est cuit. Gros masse!
Retour au labo. Bouillard ! C'était un plan génial, Crush ! Oui, boutastique ! On aurait dû t'écouter dès le début. Et il faut que tu apprennes à te faire confiance. C'est vrai, t'as raison. Merci, les amis. Oh. Bravo, les enfants ! J'ai justement préparé une délicieuse fournée de cookies pour fêter ça. Je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Ouais, vas-y, fonce ! Charlie, je suis vraiment désolée. C'était nul cette idée de pique-nique. Et le coup du hot dog aux escargots carrément dégoûtant. Sans parler de cette cravate. Je suis contente que tu n'aies rien. Alors, tu veux aller voir l'expo sur les fossiles de coquillages? Oui, j'adore les coquillages. Dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends?